Je quitte le parc du Mont-Jacques-Cartier pour m'en aller vers celui de Forillon pour aller faire une petite randonnée, une petite ou une grosse, je ne sais pas trop, mais je vais aller voir le fort de Cap-Gaspé. J'ai déjà été dans Forillon, j'ai été faire une rando Louvre une dizaine d'années. Fait que là, j'y retourne. On va aller faire ça. Puis entre les deux, ben, on fait de la route puis on profite du rivage. De monter un chemin pour aller voir un fort qui s'appelle le fort à la renommée. Encore un beau petit chemin de terre. J'adore ça, ça brasse un peu. Ouh. Fait que c'est marqué site historique. On va aller voir. Ouais, bon, on va filmer l'arrivée. Des fois, c'est là qu'on... C'est là que je trouve ça cool, là, quand on, le paysage, le panorama se déploie. On filme ça. Randonnée-là, c'est plaisant. Là, quand tu fais une couple d'heures de route, là, on se dégourdit les jambes, on apprécie le paysage. C'est peut-être un peu gris aujourd'hui, mais on dirait que ça met de l'ambiance. Oups! Un petit Suisse, il m'a fait faire le saut. Puis je pense que le spot est peut-être un peu loin de la route, 4 km, mais ça vaut clairement la peine. Je pense que c'est un petit trésor que... Faut pas passer à côté de ça. Si on vient en Gaspésie, faut venir voir ça. Juste pour le travail de menuiserie qui a été fait là, c'est super. Je pense que je radote. Super. Non, je pense que ça vaut clairement la peine de venir faire un petit tour au fort de la pointe. Le fort de la pointe de la renommée. Ouais. Vraiment un beau coin. Ouais, ben, on est en mode exploration à la pointe de la renommée. Il y a un autre petit racoin encore dans un beau petit chemin qui nous fait shaker la caméra. La pointe de la canne, quelque chose de même, là. Cap de la canne. En tout cas, petite pancarte verte avec un nom. Ça nous dit que c'est normalisé, d'après moi. Ça fait qu'on va aller voir au bout de ça. On va aller voir. Mais ça a été bulldozé, là, le bord de chemin. C'est comme si ça avait été creusé dans la montagne. Ben, c'est le fun, on a une belle vue.
ça vaut la peine de prendre les petits chemins de terre et aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout. C'est juste du plaisir. À part que ça nous fait shaker la caméra. Mais quand même un petit rendu qui va être de meilleure qualité avec la GoPro qui pointe dans le même sens. Sauf que vous me verriez pas la face. Ouais, ben il n'y a clairement pas un chat ici. En plus, la place, quand même cool, tu sais, des fois tu voudrais venir chiller ici, là, il n'y a pas personne qui va t'achaler. Ça m'a pris 15 minutes de venir ici, plus le détour du petit chemin de terre que je viens de prendre. Fait que tu sais, quand on dit que la Gaspésie, là, il y a moyen de s'organiser avec nos affaires. Ben ça en est un petit coin là, qui est cool. On est passé une petite soirée tranquille avec la nature, le fleuve. Ouais, c'est hot. Fait que je vais aller prendre une petite marche. On va aller faire un petit tour sur le bord de la grève. Ouais, ben des fois ça prend pas grand chose pour défaire un petit setup. Ben, moi je pensais que ça serait une bonne idée. On s'en va faire de la randonnée. Il va pleuvoir, ça va être cool. On est équipé pour. Mais. Bon, ça soirée à grosse pluie. Même pas capable de me faire mes petits hot dogs. C'est triste. Fait qu'à soir, on va chiller au son de la pluie. Ça va être cool. Pas si cool que ça. Je peux pas manger mes petits hot dogs, ça c'est triste. Puis j'essaie de me trouver un petit cool spot pour passer la soirée, mais avec la pluie, le vent, puis tout, c'était moins plaisant un peu. Ça fait que j'ai décidé, j'ai concédé le fait qu'il fallait que je m'installe dans un camping. Mais au Cap Bonami, c'est cool, c'est vraiment une belle place, mais là, je me suis fait avoir. Il pleut, et puis il vent. Je pense à me faire des bons petits hot dogs en arrivant. Je décide de m'installer une petite toile crème et binder qui est pété. Ça fait que là, ça va pas bien. Fait que j'ai décidé à la place de chiller dans le char. J'ai sorti du prêt à manger, des bons petits chips au vinaigre avec deux petites bières. Puis, ouais, c'est vrai, les petites feuilles d'érable, un petit peu de sucré, c'est toujours bon.
Puis pour être sûr de pas trop s'endormir vite, une petite boisson énergétique, là, question de rêver aux autres. Tu sais, la grosse gastronomie, là, setup, là. À soir, ça se passe ici. Ouais, à soir, ça va être pépère. Ouais. Fait qu'on va se coucher dans l'humidité. Puis, ça va être ça, je pense. Bonsoir.